Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous aborderons la présentation du Shield GPRS version 3 de chez Seed Studio. Le Shield se présente dans sa boîte que nous allons ouvrir. Le Shield est basé sur le module GPRS GSM SIM 900 qui est à ce niveau, qui permet une communication en quadribande à 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Il supporte les protocoles TCP et UDP. Il est totalement commandable avec les commandes AT standard. Tout cela avec une faible consommation, soit 1,5 mA en mode sleep. Le Shield dispose d'une connectique jack à ce niveau pour pouvoir connecter vos écouteurs. Vos écouteurs de mobile. Il dispose aussi d'une antenne qui est branchée à ce niveau. L'antenne est là. En retournant le Shield, nous avons l'emplacement où mettre notre carte SIM qui s'ouvre comme ceci. Et il dispose aussi à ce niveau d'un bouton pour arrêter ou démarrer la SIM 900, ce qui peut s'avérer très utile pour l'économie d'énergie dans une optique d'utilisation mobile. Le Shield s'adapte parfaitement aux cartes Arduino standard, comme vous pouvez le voir, on peut le connecter directement à notre Genuino. Voilà, le Shield est connecté ainsi qu'à la carte Mega, Arduino Mega. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo de présentation du GSM GPRS Shield de chez Seed Studio. Nous aborderons plus en détail l'utilisation de cet équipement dans nos futurs montages et nos futures vidéos. D'ici là, nous vous invitons à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page et notre groupe sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.